J'avais envie d'aborder le masque japonais parce que, au fond, il appartient à une tradition. Moi, j'avais envie de le sortir de la tradition, en fait, de pouvoir l'amener comme outil de travail pour pouvoir raconter mon histoire. Alors évidemment, j'ai cherché dans la littérature japonaise et notamment dans la littérature contemporaine. Je suis tombé par hasard sur Kawabata en cherchant dans une librairie. Et donc j'ai pris Les Belles Endormies. Le titre sûrement m'a interpellé. Son écriture est fantastique en fait. C'est parce que c'est un auteur qui écrit à partir de 15 ans. Il est édité très rapidement, il écrit énormément, beaucoup de romans. C'est un prix Nobel en 68 de littérature. Et dans son écriture, il ne donne jamais les solutions. C'est-à-dire qu'il écrit et les lecteurs font leur histoire. Après, dans la lecture, c'est devenu une évidence. C'est-à-dire au fur et à mesure où je lisais le roman, non seulement par les thématiques qui sont abordées, dans la manière dont c'est écrit, ça devenait évidemment pour moi un terrain favorable à l'approche du masque. Le masque intervient parce qu'au fond, toute notre histoire est un rêve. Toute notre histoire n'est pas réaliste. Toute notre histoire est vécue de l'intérieur dans le cerveau d'un homme âgé qui finit sa vie et qui doucement s'éteint. Et donc on est dans ces fractions de secondes qui sont ce qu'on appelle l'expérience de mort imminente. Il meurt dans une structure assez moderne, suisse, qui accompagne son départ. Certains clients disent qu'ils ont fait de beaux rêves. Et d'autres, que ça leur a rappelé le temps de leur jeunesse. On recule un pas, recule et puis regarder pour objectivement la vie et la mort. À ce moment-là, pas vraiment triste, ce n'est pas vraiment douloureux. Il y a quelque chose, calmement, on peut regarder la vie et la mort. C'est là où la réalité rejoint la fiction, puisque, Yoshi vous en parlera peut-être, c'est vraiment, c'est par lui que c'est arrivé. C'est aussi la première rencontre avec Yoshi Oida qui a favorisé ce choix-là. Donc il a mélangé c'est ma vie et piste Kawabata. Ça veut dire moi, et personnellement, j'ai inscrit en Suisse. Et quand je veux mourir, je peux demander pour ça ordonnance de docteur. Et puis il a mélangé cette histoire de mon personnel et il a mis de cette histoire de Kawabata. Donc ces pièces, c'est vraiment, comment dire, ce n'est pas mon rôle, mais ma vie.